pour nous lire la parole de Dieu. N'appli dans Job chapitre 1er, verset 1 à verset 5. Mais il y a l'autre lecture. N'appli mando ou a fait li la caillou. C'est dans Luc chapitre 15, verset 11 à verset 32. Dans Job chapitre 1er, 1 à 5, nous lisons parole sérieuse comme ça. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Encore une fois, grâce et paix mon Dieu avec nous. Comment parler de papa et pour être à papa? Et chaque fois, moi, y a rien pour moi parler de papa, je n'ai pas quitté maman derrière. Parce que faut un maman pour un papa. Donc, si y a maman, y a papa, faut un petit. Par conséquent, matin, n'a célébré la famille, mais en particulier papa, parce que mon dans la Bible, mais n'a pensé, n'a réfléchi, n'a cherché, n'a fouillé, moins senti que Job, c'est un papa idéal. Là, nous lisons le premier verset et si vous allez dans le chapitre 2,
lorsque Satan tournait contre mon Dieu après tentation, mon Dieu lui-même encore lui réitéré pour Satan qui mon jobier et pas gain yon homme tant pour lui sur la terre. Cependant, si nous disons, dans le titre que nous voulons faire, quelques mots à dire, Job, un père exemplaire, un papa qui méritait pour imiter, c'est pas que c'était un homme sans péché. Parce que pas une personne qui naît d'Adam qui pas péché. Cependant, spiritualité, intégrité, fidélité, il a considéré verset 4 et verset 5. Si vous prenez le temps pour réfléchir, vous allez tomber d'accord avec moi pour dire il méritait ça, oui. Il était un homme de Dieu. Qui chaque fois est capable de dire Job, c'était un papa exemplaire, c'est que en tant que papa, il était priorisé le papa des papas. Il était priorisé Dieu. En dépit de toute richesse que tu as gagnée, tu lis l'histoire là bien. En dépit de la popularité que tu as gagnée. Parce que nous ne lisons pas gagner dans la zone côté de la vie là. Il était plus considéré par tout le monde. Dans l'essai, dans l'époque, il t'a vu. Donc, quel que soit le côté où tu as viré, humainement parlant, Job, c'était un homme, d'abord, un homme intègre, un homme qui priorisait Dieu, c'était un bon père de famille. Mais il faut dire tout. Et il dit ça, il nous fait expérience là. À côté de tout, bon papa, bon maman tout. Il est là pour garder dans le passage là. Il était priorisé, mon Dieu, dans tout ça à la fin. Est-ce que nous avons reproché dans la relation, dans la place qu'elle va, mon Dieu? Non! Parce que Dieu lui-même a rendu témoignage de ses serviteurs. Mais moi, je pense que ma plus ma petite et tout, moi, c'était. Il y a un bon mari, tout, un bon époux. Il était un bon époux. Et si vous appelez, vous appelez, le mal est tombé sous Job, faiblesse, rentrer dans madame, non. Ça a été dur pour lui.
pour te voir Marie par là, fini, malin. La mort est préférable à Mounsa qui devant nous. La faiblesse, li, il base au bon conseil, mais cause. Où était fidèle toujours? Où était intègre toujours? Dans sa voie passée. Fini l'action. Maudit-li. Un peu où a fini ça? Job, en tant que bon mari, il passe suivre Adam qui t'a obéi à Ève. Mais lui supporte elle dans la faiblesse. Li. Et lui dit, li, madame, vous perdez le contrôle, oui. Les bagages à la terre, vous pas d'accord. Non, mais si vous la gâte, qu'on y a. Bon Dieu n'a pas changé. Et puis, nous joignons. L'Éternel dit, jusque là encore, li pas péché contre bon Dieu. Donc, c'était un bon mari, mais c'était aussi un bon père. Un bon père, sous printemps, pour garder dans verset 4 là, les fils allaient les uns chez les autres. Il donnait tour à tour festin et il invitait leurs sœurs à manger. De ma pensée, ma réfléchie, en tant que bon père, il était mené famille en façon que famille entière santé. T'es gagné à mon là, ma caille t'as une obéissance dans la tu as un respect dans la tu as un partage. Tu as une discipline douée. Parce que, bon Dieu, tu es dans la place. Si tu es capable, et l'on lui passera bien. Ça veut dire, verset 4 là, montrer que messieurs, sept garçons, ils étaient majeurs, ils étaient la caillou. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils étaient fin entraînés, ils étaient un bon bagaille depuis qu'ils étaient petits, qu'on y a, ils étaient une liberté pour vivre la caillou. Mais la liberté qu'ils gagnent comme adultes, ça n'a pas été. Diviser famille, non? Ça veut dire c'est une famille unie, parce que chaque jour, il y a un festin, or, 7 jours dans la semaine, 7 garçons. Donc, c'est une famille qui est en santé, parce que tu as un amour là-dedans. Oui, tu as un pile. Respect, ils ont respecté l'autre. Tu as une pile obéissance. Pour quelle raison? Là où il vit dans verset 5 là, obéissance montre que, bien qu'il y ait un monde la caillou, mais tradition, plus haut devant bon Dieu, n'importe là, papa a besoin. Et papa, responsable ça, il me remet ce verset en pile, l'île, médite-le. Puisque messieurs au majeur, il y a grand monde. Il n'y a pas connu ça au fait. Mais souci que il gagne pour tête
en tant que serviteur de Dieu, en tant que papa exemplaire, de crainte que si mon Dieu fait bagaille pour déplaire, pour pécher contre mon Dieu, l'y inviter et au vin. Il y a un pile bagaille que nous t'a dit. Job, dans l'Ancien Testament, c'est une figure qui voulait, qui exigeait par comportement, par Jean l'élevé Timonio, malgré au grand, il n'a pas divisé et il été encore soumis à lui-même. Depuis fait appel, tout le monde venir et te présenté offrande sacrificielle, holocauste, disant que lui pas connaît. Peut-être, dans mon bosse, dans le fêté, dans le cœur, vous voyez ce côté là, dans le cœur, il a fait quelque chose. Il a présenté sacrifice pour lui. Et il y a un autre père dans la famille, non? Non, dans l'église. Pardon, non, la Bible, nous jouons dans Luc. Il a simplement fait référence à lui-même. Jésus te dit, t'es un papa qui te gagne des petites. Mais des petites, ça y est, ils sont différents, oui. Et là, l'histoire là, ou après, ils te recevoir même bagaille, mais tous deux, ils étaient dans la caille avec papa, yo, mais qu'est-ce que pas ta papa, yo, ni qu'est-ce que pas t'es ensemble, yo. À un moment donné, Pipiti a dit, sent-il les livres pour la caille, pour la jouer, il y a un monde. Il dit, bon, pas pour m'aller. Mais papa, tout, il était où est là, comportement, il n'a pas refusé, non. Parce que Haïti, Haïtien, il me dit parfois, si mon monde de grand bocho, ou bien dans la plate, même, au point d'histoire. Il a parti, non, parce que, lors de la fin histoire, les messieurs. Ça que tu es parti, moi de gros pouce, il répond, il tourne. Deuxième, qui était le premier à quitter la cage avec papa pendant tout le temps, l'autre là était dehors. Mais la prendre que l'autre là tourne, festin, fête, guédos, l'informe, il dit, c'est tu frère, il laisse ça. Il monte papa. Il pas avec, il pas d'accord pour te partager avec ce nom-là, vous allez aller. Il n'est pas satisfait. Et qui présence était là, la terre. Mais il pas avec papa. Et papa, il comprend. Et l'autre là, t'es allé, il m'a dit d'aller. Il quitte l'aller. Mais. Deuxième nom, là le côté. Il dit, l'autre, il dit, pas rentrer, il fait le connaître. C'est faux, oui. Moi, c'est papa, nous tous deux, oui. Tout on était ensemble avec nous, tout le bail, c'était pour vous. Et nous, ouais. Histoire finie, il n'a pas obéi à papa. Des familles. Famille Job, si vous notez unis, grand monde, c'est vrai, ils ont entendu entre eux, ils ont respecté papa, ils ont obéi papa, ils ont honoré Seigneur, et ils ont accepté que bénédiction papa tombe sur eux. Mais on va gagner la force. Lors lit dernier passage Job là, le bon Dieu a prouvé où l'important.
Bon Dieu te restaure, Job. Li bay, même quantité petite qu'elle te fait dire, plus bien toujours. La ville plus longue, et nous voyons qu'ils vivent des années, ils sont petites à petites, jusqu'à quatrième génération. Mes frères, mes soeurs, papa qui l'a, je ne sais pas qui sera passé. Maman qui l'a, je ne sais pas qui sera passé. Petite qui l'a, qui t'aime d'eau. Tout besoin. Réussi en famille, pas bon Dieu, première place en est. Pas bon Dieu, première place. Et puis connaît, pas petit tout le temps, pas petit tout amour, discipline de petit tout, exiger obéissance pendant le petit, discipline. Il y a valé, mais il y a tourné. La femme pour dégager. Il m'a dit que c'était tout. Papa était toujours prêt. Papa toujours était papa. Là, il tournait. Il embrassait. Papa qui joue une difficulté, prend courage à garçon. Garçon est rebelle. Mais c'est petit papa. Il a oublié ça. Si vous avez besoin, vous réussissez. Pas attendre les bras accrochés. C'est des pays et tout petit. Donc, pile bagay m'a dit, même qu'a dit, pas de rien qui a remplacé non famille après bon Dieu, famille non même. C'est Maria, c'est madame non, c'est au qui maman, c'est au papa, et puis c'est petite là. Que bon Dieu aide nous. Apprends responsabilité, nous. Fais des voix, tu n'as pas besoin de paix pour l'église. Que bon Dieu bénisse.